Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 14 du Let's Play des Farm Together en compagnie de Rick. Donc on s'en prend rapidement. Non, la caméra est pas là, mais c'est pas grave, c'est raté. On s'en prend rapidement parce qu'on a une nouvelle. Non, c'est de l'autre côté. C'est à ma gauche. Sur mon personnage. Non, c'est à la droite, c'est pas grave, mais c'est très bien. Du coup, on se reprend donc pour cet épisode où en fait on est pressé puisque l'automne se termine et on a une culture à planter. Une nouvelle culture qui est le. Chou gratiné. Alors il faut vite y aller parce qu'on n'a pas le temps, Rick, hein, pour le coup là. Sachant qu'il coûte très très cher, je vous le fais vite fait parce qu'on aura plus le temps après. C'est 4500. Le bestiau. Donc là, t'en as implanté 9. Hop, ça va, c'est fini. C'est fini. Ouais, à 3 éventuellement. Non, mais c'est on touche plus à rien. Parfait. De toute façon, tu peux plus toucher, tu peux plus rien faire en fait. Donc, c'est une nouvelle culture. Donc, il rapporte 7000. C'est là où c'est super intéressant parce que 7000, quand on a planté 4500, ça fait 2500. Par contre, c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours, hein, ça? C'est ça. Voilà. Donc, tous les 2 jours, bah, effectivement, ça peut être sympa. En plus, si on les arrose, peut-être que si on les arrose beaucoup, ça peut se réduire à 1. Et dans ce cas-là, bah, si on en a, je sais pas, je vais dire une connerie, mais imaginons, mettons en 36. Donc 4 x 9, et ben 36 x 2500 ça fait 85 000 à peu près, j'ai compté à la louche, 85 000. Donc c'est pas mal hein, 85 000 par jour. Ah oui. Si on arrive à les arroser pour qu'ils arrivent une fois par jour. Sinon ce sera tous les 2 jours. Bref, donc ça c'est la nouveauté, voilà, on voulait le faire avant qu'on arrive en hiver, et là on a eu largement le temps, donc c'est parfait. Deuxième chose qu'on voulait faire, puisque nous ne sommes que 2 pour cette vidéo, puisque là tout le monde nous ont lâchement abandonné, je voulais en fait en profiter pour meubler un petit peu la maison. Comme vous voyez, nous avons 936 diamants, donc c'est beaucoup de diamants et beaucoup de tickets pour la maison. Et si je vais dedans, normalement, vous allez voir qu'il y a encore la cuisine qui a avancé. Voilà, la cuisine, on a fait du poisson frite, et non pas du poisson frit, hein, je précise. C'est bien des frites, pour ceux qui se posent la question. Et si je prends, voilà, nous avons encore gagné 5 tickets. Donc nous avons donc 30 tickets, ça commence à être intéressant. Sachant qu'il faudrait que je remette autre chose. Oh, 30 tickets orange, ah ouais. Il faudrait que je mette autre chose en fait, Rick, mais je mets quoi? On va peut-être faire travailler notre ami là. Non mais qu'est-ce que je pourrais mettre en fait en attendant? Hein? Deux? Quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je ferais une salade de fruits? Une salade de fruits, ah oui, j'aime bien les salades de fruits. Alors, il y a 4 étapes, c'est toutes les 20 minutes, mais par contre ça rapporte seulement 6... Enfin, ça rapporte seulement. Ça rapporte 6 tickets et ça coûte que 2500. Voilà. Le plus intéressant, évidemment, c'est le muffin que j'ai déjà planté. Hein, qui est... Non, il y en a un qui est pire. Il y a le plateau de sushi. Mais là, il nous faut du blé et du poisson. Le poisson, c'est assez compliqué. Il coûte 20 000 et pour le coup... Alors, par contre, c'est 3 étapes de 1 heure. Bon, bref. Regarde dans la cuisinier. Et si tu veux lancer autre chose ou si tu as une idée... Bah, les muffins sont déjà en cours, tu vois. Alors, les œufs au plat. Ok. Sachant que, évidemment... les viewers, dites-vous qu'on a une petite surprise. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est une surprise. Trouille. On en parlera tout à l'heure quand on ira justement planter. Enfin, planter. On plante tout. Moi, j'ai pas la salade de fruits là. T'as pas la salade de fruits. 2500, on n'a pas les moyens. Oui, oui, non, on n'a pas les moyens. Mais sauf que 2500, regarde, on a mis 720. Si on va ramasser quelque chose, on va y être aux 2500. Je m'inquiète pas, pour récupérer 800, on vient de récupérer les 800. Non? Ça ressemble pas à du poisson. De quoi le poisson frit? De quoi, genre, hein. Le poisson frit, on dirait un steak, frit. Bah ouais. Oui, non, mais c'est bien un poisson sauce. Parce que ça demande du poisson et des légumes. Oui. Donc c'est bien du poisson, il n'y a pas de doute. Non, parce qu'on se demandait si c'était pas poisson frit en fait, hein, les viewers, mais. Non, c'est des fish and chips. Ah bah peut-être qu'ils auraient dû préciser ça comme ça. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Bah écoute, là ce qui rapporte le plus, c'est brochettes de légumes, j'ai l'impression. Alors. Ouais, non, mais prends un petit truc, voilà, juste pour 10 minutes. On va dire pour meubler, parce que nous, ce qu'on va faire, on va revenir dans une seconde pour meubler cette maison. Cool, comme je vous disais, on va donc meubler cette maison. Mais avant ça, on a un petit truc à faire avant. Jette un les truc dont moi je suis très fan, qui est le fromage. Mmh. Voilà. Donc, pour le fromage, alors déjà, on a débloqué d'autres nouveautés hein, qu'on va vous montrer vite fait. On va peut-être pas les utiliser, mais voilà, il y a des nouveautés. Donc notamment le stand de... Il est où le stand là, de fruits, là, je sais pas quoi, là. Le stand de fruits. C'est quoi la grange Arizona? Ah d'accord, 100 pour toutes les ressources, mais ça c'est encore notre histoire. Pas forcément utile. Il y a un chalet. Il y a un chalet. Un chalet. Il y a un chalet. Un chalet. Non mais il y a un chalet qui est énorme. Un chalet. Donc ça aussi, il faudra qu'on le mette, le chalet, alors. Et c'est ça, voilà, c'est ça. C'est le marché aux fruits, excusez-moi, c'est le marché aux fruits. Donc l'achat c'est 225 et dès qu'on vend des produits c'est 60. Le marché aux fruits peut être super intéressant.
Voilà. En revanche, le chalet à mettre, effectivement, ça peut-être être utile, mais pas maintenant. On va donc poser le stand à fromage dans un premier temps, parce que vous avez vu que la vente des produits du fromage donne un badge. Et c'est quasiment la seule chose, je crois, qui donne des badges. Je vérifie. Ah. Alors. Ok. Le chalet, il demande 10 badges, et par étape, il redemande 10 badges. Sérieux? Oui. Et chaque étape, c'est 12 heures. Attends, enfin, c'est quoi cette arnaque, là? C'est un truc de fou, là. Bah, j'imagine que le chalet est énorme, hein. J'espère, parce que sinon... Voilà. Bref, moi ce que je voulais vérifier, c'est la deuxième ligne, comme vous voyez, c'est vente de produits, où on a un badge. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait... Ah, il y a le miel qui rapporte aussi. Et les confitures aussi. Bon, est-ce qu'on fait travailler notre pote, là? Alors, attends, avant de faire travailler notre pote, j'aimerais, s'il te plaît... Je sais que t'as besoin de pognon, donc oui, à la rigueur, fais travailler le pote maintenant si t'as envie. Ouais, vas-y, fais-le travailler. Allez, viens. Dépenses de tickets. On va le regarder après 2 minutes, là. On en a 30. On va rigoler. Et pour l'instant, je vais poser le stand de fromage. Si tu veux regarder le PNJ... Ah, tu veux pas regarder ? Bah non, parce que moi, il faut que je pose le stand de fromage. Est-ce que je le mets là, le stand de fromage ? Est-ce que je le mets là ? Est-ce que je le mets avec les vaches ou est-ce que je le mets au centre-ville ? Ouais, faut rester... Faut essayer de... Bah sinon, achète le terrain d'à côté. Non, mais je mets... On mettra tous les animaux dessus. Ça y est, il commence à bosser. Non, mais moi, il n'y a pas de souci pour le mettre... En plus, on a la place, hein, à l'endroit des vaches, mais... Je suis déjà perdu, sans déconner. Il y a trop de choses ici. Attendez. Le réservoir à carburant est vide. On fait le point à la fin de l'épisode. Vidé. Ah oui, sur le mec en question. Alors, ouais. C'est vrai que si on dépense rien, on va pouvoir le voir. Tu l'aides pas, hein. Tu le laisses faire. Ah, moi, je fais rien du tout. J'ai touché à rien. Donc toutes les 4 secondes, tiens, je suis à côté de toi. Toutes les 4 secondes, on a 0,02. Je sais pas si tu vois. Entre 0,02 et 0,03, parce qu'il nous rapporte 25. Donc bon, par contre, je vais devoir 02, taper dedans, faut que je nourrisse les canards. Ouais, vas-y, mets-toi dedans, c'est pas grave. De toute façon, regarde la vitesse, ça augmente. C'est pas trop. Nourrisse les vaches aussi. Hop. Passage, je vais pas chercher. Donc. Faut que je nourrisse les alpagas. Ah, mais non, on a plus assez d'argent. Bah, laisse-le fermer l'autre là. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il bosse pas là? Il faut rien là. Ça pose, c'est déjà l'heure de la pause, il prend son temps. Qu'est-ce qu'il fout là? Faut lui botter le cul là. Non, je pense qu'il a pas de chemin optimal. Tu sais, à tous les coups, il est en train de naviguer entre les puits là pour... Ouais, c'est possible. J'en sais rien, parce que là, il bouge vraiment pas là. Regarde. Je prends un peu d'essence au passage. Bon, bah, du coup, je vais ramasser les trucs. Bref, je vais poser donc ces fameux stands à fromage que je vais poser maintenant. Le truc, c'est que par contre, comment on va poser ça pour que ça fasse propre? Attendez. Ah bah peut-être là-bas, juste là, regardez. Juste là. Enfin ça, c'est pas mal. Hein. C'est parti, je pose ça. Avant, la contrainte du stand à fromage, c'est que... Bah, faudra aller dans le... Dans l'enclos, en fait, aux vaches pour le voir, quoi. Ce qui est pas super logique, en soi. Il y a une crèmerie. La crèmerie, elle fait des petites bulles, là, je vois. Et ça rapporte 5 diamants. Je vais prendre des maintenant. Ça fait 950, ça c'est fait. Donc ça c'était la nouveauté voilà, du jour, on va dire un nouveau stand. On vous a aussi montré le reste, c'est pas intéressant parce que on ne l'a pas fait. En tout cas, vous savez maintenant qu'on peut, ici, avoir bah, d'autres choses, et notamment bah, le marché aux légumes. Voilà. Bref, et ben si c'est tout, dans ce cas-là, on va donc... Ouais, le reste, on allez, va, bye bye. D'accord. Non, pas le bye. On va dans la maison justement pour meubler cette maison parce qu'on profite qu'on est que deux. Et on va essayer de faire assez rapidement. Sachant que bah on a 951 ouais, non, diamants qui risquent de voler. Du coup, j'ai rapporté 5000. Au passage, est-ce qu'on a des nouvelles choses aussi? Parce que là, tu parlais justement des choux-fleurs. Mais il y a eu que le choux-fleur en fait qui a été ajouté au niveau 28 parce qu'on vient de passer niveau 28. Ah, j'ai pas tout regardé, j'ai vu ça. Dans les arbres. Il y a peut-être d'autres saisons. Hein. Est-ce que dans les arbres, on a des choses aussi? On n'a rien dans les arbres de particulier qui est apparu? Non. Ah si, on a les cocotiers. Il semble qu'on n'avait pas les cocotiers, si? Si? Si, les cocotiers, on avait déjà. Par contre, dans les poissons, là, je vois... Hop, il y a l'espadon qui est apparu. Eh, il y a un nouveau Kaya. Il y a un nouveau Kaya tout... Non, il n'y en a pas de nouveau. Si, si, il y a un nouveau Kaya tout noir. Oui, mais on en avait déjà. Il était déjà là. Non, on a un noir et blanc, on n'a pas de noir. Ah oui, d'accord, oui, pour le niveau, oui d'accord. Mais uniquement avec un point d'exclamation. Oui. Donc, on a l'espadon chez les poissons. Dans les fleurs, on a la moutarde qui vient d'apparaître. Alors moi, je vois pas, moi, c'est pas en point d'exclamation, malheureusement. Dans les constructions, on a la grange Arizona. Oui, je sais, je suis passé devant, effectivement. Augmente la capacité de stockage de sang pour toutes les ressources, ça c'est pas mal. Dans les dégoûts, ouais, bon.
Dans les décos, on a un ballon de foot. On a un stand hot dog. Et on a un ballon de foot. Ouais, on l'avait déjà le ballon de foot. Bah, ils ont acheté un ballon à la con, un ballon de plage. Justement, TVH, il a racheté un ballon de foot. Ah bon ? Oui, le ballon de plage, c'était il y a longtemps. Il n'y avait que celui-là avant. D'accord, ok. Autant pour moi. Il a acheté ça et deux gradins. Je te laisse faire l'addition. Ouais, non, je sais. Il y en a qui ont les moyens, enfin en tout cas il y en a qui utilisent les moyens des autres, j'ai l'impression. Bref. Et on a des passages balustrades. Oh non, c'est quoi ce truc là? Voilà, je vois qu'on a aussi un carré de neige. Un carré de neige c'est 25 000. Mais allez vous faire pas cela. juste un carré quoi. Bref, à part ça, notre cabane avance. Comme vous voyez, il reste il nous faut encore 15 000 et on peut avancer sur la cabane. Tu sais, le carré de sable hein, c'est 10 000. Et la cabane, il nous faut encore 15 000, Rick, pour la terminer. Là, elle est bloquée parce qu'en fait, il y a la dernière étape, et la dernière étape, c'est 15 000. Donc, on va pas pouvoir non plus. Et la maison en pierre, bah, comme on vous l'avait dit, normalement, la cuisine est repartie. Si tu as mis quelque chose ou pas en cuisine, tu as mis quelque chose. Donc, il nous reste... De mettre un truc. Il nous reste... Ça vient juste de changer. Il faut 30 000, encore une fois, pour passer à l'étape d'après, là, pour le muffin. Donc, il faut 3 fois 30 000. Sérieux? Il faut 3 fois 30 000. Les légumes, c'est pareil. Il nous reste 2 minutes, mais il faut donc 4 fois. 4 fois ou 3 fois, je sais pas, le prix. Moi, je dépense pas une deuxième fois 30 000 pour les muffins. Hein. Toi, 3 fois, ça fait 90 000. Ça commence à faire beaucoup. Alors, ok, 90 000, on a 14 tickets. Parce que je suis d'accord, c'est 14 tickets, mais quand même. Bah, il va falloir qu'on fasse du fric à côté. Hein. Il faut que tu vendes ton corps, hein, Rick. Voilà, ça c'est fait. Nouvelle cuisine, comme vous voyez aussi au passage, parce que maintenant on va passer au meublage de la maison. On a déjà mis Gadu Gaming à l'arrêt de bus. Mais... Ah, par contre, il y a un problème, c'est que t'as mis. En fait, t'auras pas dû utiliser le deuxième cuisseau. Ah bah, je vois, tu me dis regarde dedans et fais quelque chose. Ok. J'ai fait quelque chose. Trop d'éléments de ce type pour placer cet élément. Voilà, on ne peut pas planter ça. Je voulais en fait passer au. Cuisiner moderne. Et malheureusement, il y en a déjà trop, parce que je pense qu'il faut... on n'aura qu'à avoir deux cuisiniers. Voilà, quand ça sera fini, hop. Petite annonce, revente. Et, alors là, je suis en train de gaspiller, faut que j'arrête de dépenser. Ce sera le dernier truc, hein. T'es sérieux? Et là, il faut attendre pendant 20 minutes! Ah, d'accord. Non, en fait, alors, t'as pas vu ce que j'ai fait? En fait, j'ai acheté un piano, en fait. Quand j'ai commencé à jouer. Alors, déjà, il faut acheter les partitions après. Les partitions coûtent 2 tickets. Voilà. Donc, j'ai acheté une partition pour essayer. Donc, il a juste. Ah, sur Atlas aussi, il fallait les partitions pour jouer. Oui, je sais, ouais, ça m'a fait penser à Atlas aussi. Donc, du coup, il faut attendre 20 minutes. 20 minutes pourquoi? Ça donne quelque chose à la fin? Ou 20 minutes pour rejouer quelque chose, là? Ouais, pas encore prêt. Donc en fait, il faut attendre 20 minutes pour jouer une musique qui dure 3 secondes. Non, bon, bref, je veux pas savoir. Alors, pour la déco, on va garder le piano, voilà, je l'ai fait. Maintenant, on arrête de dépenser des tickets, je vous le dis. Tout ce qu'on achètera, il y aura pas de tickets. On arrête de dépenser des tickets, j'en dépense pas. Ouais. Non, mais quand je dis on arrête, c'est. De façon de pareil, t'inquiète pas. Juste pour faire travailler notre ami, là. Alors. Il rapporte ou il rapporte pas, là? Qui ça? Ah, oui, il rapporte un peu, quoi. Vu que je cultive en même temps. Là, je récolte depuis là. On est combien en fait au passage hmm. On est combien dans la maison là Ah, les premiers qu'il a fait, il a même pas fini que les premiers sont déjà de nouveau récoltables. Voilà, je me permets de meubler un petit peu la maison. Hein, on appréciera pas, écoutez, c'est pas mon problème. Ah bah d'accord. Ça, voilà, on va mettre ça. Allez, hop, les cacahuètes. Je surveille le fric que je suis en train de dépenser, hein, les viewers, vous inquiétez pas, j'y vais doucement. On va mettre ça. Et ça, voilà. Alors je sais, c'est assez chargé, mais en même temps, vu qu'on est nombreux... Au final, c'est pas si chargé que ça en fait. Ouais, mais faut encore qu'on puisse circuler. Hein. Non, on peut circuler. C'est fait suffisamment bien pour qu'on puisse tranquillement. Alors, par contre, là, j'aurais peut-être dû tourner ça. Je vais venir vérifier là. J'aurais peut-être dû tourner ça en fait. Ça m'inquiète ça. Non, t'inquiète pas, j'ai vraiment bien fait. Non, je te jure. C'est vraiment bien fait.
J'ai même, tu vois, là, j'ai même en train d'optimiser. Faut pas que ça fasse recharger, histoire qu'on ait un peu accès à la fenêtre, parce que sinon, un peu compliqué. Là. Bon. Ouais, s'il y a besoin d'aérer. C'est ça, parce que t'imagines avec Kaya au lit. Hein, t'as intérêt à aérer avec Kaya, hein, parce que... On s'en sert le sauvage encore. Hein. Bon, normalement, on a assez. Alors, en théorie, on va considérer qu'on peut dormir tous les deux dans le lit sans qu'il y ait d'histoire, hein, on va dire ça. Moi, je conseille des toilettes avec fenêtres. Donc, on a 6 places. Oui, moi aussi, les toilettes avec fenêtres, super important pour les viewers. C'est super important d'avoir des toilettes avec fenêtres. Parce que sinon, en fait, les auteurs restent pendant une heure après. Bref, donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Alors, moi, je ne dépense plus de tickets. Vous avez vu, je n'achète que les trucs qui sont en haut. Alors, c'est pas les meilleurs. Là, il y a encore un ticket. Sans déconner, on peut plus. On va faire ça, hein. Mais c'est vrai que sans tickets, en fait, on peut pas acheter grand-chose, quoi. C'est malheureux, mais. Vlaric. Il y a rien. Non, mais dans la chambre. Ça, c'est chambre, mon fauteuil. C'est la chambre, moi, je parlais. Moi. J'attends la télé. Tu vois, c'est des lits de place. Donc, ah, je me dis, on peut être 6. On peut être 6, c'est pas trop chargé. On peut marcher, tu vois. Attends, est-ce que je peux venir avec toi? Oh putain! Ouais. Donc comment on a bien 6 places. On a 6 places, c'est parfait. Il y a que 2 armoires, mais on va dire que 2 armoires ça suffit. Non? Ou tu veux en remettre une autre? Non. Non, c'est bon. Ouais. Faire de la place, ça suffira. On se change pas souvent. Bon, on est des fermiers, on s'en fout. Alors là, je vais me faire insulter dans les commentaires par tous les fermiers. Non, je plaisante, hein, les viewers. C'est une mauvaise blague. Hein, ah, ça. Voilà ce que j'attendais. Une blague, une mauvaise blague. Donc ensuite, attends, comment on va meubler? Pouf. Qu'est-ce que ça change? Voilà. Alors, alors, c'est très bien. Par contre, j'aurais pas mis dans ce sens-là, j'aurais presque inversé. J'aurais mis contre le mur et éventuellement le fauteuil. Tiens, on peut pas faire ça par exemple, comme ça. Ah, moi j'aurais mis là. Ah, tu dis ce que t'en penses. Voilà. Comme ça, et le canapé en face. Mais... Et le canapé en face avec une petite table basse. On met deux fauteuils parce que le canapé coûte des tickets, on n'achète pas de canapé. Voilà. On fait comme dans Friends, tu sais, deux fauteuils là, tu vois, les deux fauteuils là. Voilà. Ça mange pas de pain. Voilà. Attends, c'est. Y'a le chien qui m'énerve là, et ton chien. On l'entend là. Ouais, table, mais attends, là. Mais attends, c'est l'heure du meilleur fermier. Quoi? De top voilà, fermier, tu veux dire? Le meilleur fermier qui commence à la télé. C'est pas top fermier que tu voulais dire plutôt? Ouais. Il y a une table basse, mais la table basse elle demande 2 tickets. Ouais, non, c'est bon. Là, c'est prêt ton truc, je crois. Okay. Hein, y a un crayon. Bah, oui, sans doute, oui. Attends, s'il y a un truc. Non, parce que les cuisines, on va pas les enlever, parce que vu le prix qu'on a dépensé, on va peut-être pas le faire. Par contre, il faudrait peut-être aménager aussi la salle de bain. La salle de bain, on n'est pas du tout bien, la salle de bain. Par contre, la salle de. Attends, je regarde juste s'il y a quelque chose pour la salle de bain, parce que pour la salle de bain, j'ai l'impression qu'on peut rien faire. Y'a rien pour la salle de bain, en fait. Et ils sont où les chiottes, tout ça? Y'a pas de chiottes, en fait. Non, mais on peut mettre un tapis de course. Dans la salle de bain. Ça va être la salle de sport. Et pas de baignoire. Et la télécommande de la télécommande télé qui coûte 3 tickets, non. Et le meuble TV en noyer qui coûte 7 tickets. Et ben bon courage aussi pour l'avoir, celui-là. Et tu crois que si on achète la télécommande, y'a des programmes? Ouais, je suis pas sûr. Et le lave-linge. Il y a un lave-linge, il y a un sèche-linge, mais le sèche-linge il coûte 4 fois plus de tickets. Ah, par contre, attends, il y a des choses qu'on peut meubler dans la cuisine, ce que je vais faire maintenant. Ça, par contre, on peut le faire. Tiens, on va dire, il y a un truc à faire, effectivement. Par contre, ça va consommer, non, un peu, non? Non, 1000. Ouais, brochette de légumes, je les remets. Parce que si à la fin de l'épisode, si on a un peu de chance, ouais, 10 minutes, ouais, non, ça va être trop limite, j'ai l'impression. On n'aura pas le temps, là, il nous faudrait 20 minutes, ça va être un peu compliqué. Là. Parce qu'on aurait pu, en fait, changer de cuisinière. On va mettre donc ça. Et ça j'adore, vous avez vu, en fait, il demande à ce que il y ait quelque chose en fait sur le. Enfin, il faut qu'il y ait un bureau. Sinon ça marche pas. On peut pas poser en fait, voilà. On peut pas poser ça. Ça, je peux la poser aussi, mais je vois pas trop l'intérêt dans le cas où. Ça sert à quoi de poser une poêle en fait? Oui. Moi je vois pas trop l'intérêt hein, dans le fait qu'il n'y ait pas Phara. Ça sert à rien. Comment ça? Y'a pas Phara quoi? Y'a pas Phara. C'est quoi le rapport? On a pas invité Phara. T'as pas attendu Phara. Et alors? Eh, les absents ont toujours tort. Voilà. Voilà. Il a qu'à être présent. Quand il sera présent, on pourra. Ah non, mais. De toute façon, je l'emmerde. Voilà.
Oh mince, il a... Chut, c'est seulement... Chut, oula. Allez. Allez. Mais là, t'étais où? Tu sais que les viewers, ils t'attendaient, ils ont dit, il est où, Farah? Ah, mais oh mon dieu, j'ai répondu une saloperie. Heureusement que t'as pas répondu. Oui. T'as entendu les premiers mots, toi? Non, je les connais. Voilà. Bon, je pose des petites choses à droite à gauche, ça coûte pas très cher. DTC, c'est bien plus poli. Et donc, t'as entendu le premier mot. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'emmerdes, c'est ça? Non, du tout, non. Moi, la politesse, certainement pas. Des bisous. C'est pas chez moi, ça. Kaya, peut-être, mais pas chez moi. Ah, ça, on peut mettre ça. Printemps, faut ramasser les fruits. Attends, moi, je meuble un petit peu la maison, quand même. Mais après, Farah, il avait qu'à venir aussi, merde. Ah, bah, tu fais du café, t'invites pas Farah. On me dit rien, j'ai pas rien, moi. Si, on t'a dit, c'est juste que t'es pas venu. Oh, mais... Ça coûte cher par contre, ces couverts à la con. Hein. Les couverts coûtent vous imaginez quand même le prix des couverts qui vous coûte quand même 20 diamants. Le couvert. En plus, on a démarré l'épisode avec du fromage. Et on le termine avec Farah, c'est ça? Avec du café. Alors je sais pas du tout si je fais bien. Vous direz ce que vous en pensez, les viewers, dans ce que je fais, parce que je sais pas si c'est une bonne idée. Du coup, fromage et café, ça fait venir Farah. Là, ça c'est bon. Ça sent fromage ici, je veux venir. Attention à ne pas dépenser. Encore une fois, je ne dépense pas les tickets, les viewers. Hein. Si vous posez la question, c'est normal. Ça, j'ai posé dans la chambre, ça. Donc je dépense un petit peu de tout. L'idée, c'est de. Voilà, de... Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Voilà. Ça me paraît pas mal pour une chambre, hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. La moquette est un peu dégueulasse, par contre, là. Il n'y a pas moyen de changer cette moquette, là, la con, là. Moquette beige, non. Bleu, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Enfin, si ça dans la cuisine, ça pourrait être sympa. Est-ce que vous êtes très moquette dans la chambre? Vous aimez bien la moquette? Non, ça remonte des acariens, c'est dégueulasse, ça salive. C'est ça. On me dit plancher, elle a? Ça fait longtemps que j'ai viré toutes les moquettes. Je les ai plancher, c'est très beau. C'est queen quand on marche dessus. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà. Là, on va dire que ça fait une chambre qui est sympa. Bah tiens, Farah, tu diras ce que t'en penses de la chambre. Voilà, c'est quoi? Viens et dis-moi ce que t'en penses. Pour la cuisine. Là, je vais la faire à l'ancienne. Mais ah non, parce que ça dépense des tickets, hein, papa. On dépense pas de tickets. On a dit qu'on dépensait pas de tickets. C'est vrai que la pièce qui est à côté, là, qui ressemble à une salle de bain, on pourrait très bien la changer pour faire une deuxième chambre, hein, par exemple. Hein. Et du coup, on se lave pas parce qu'en fait, il y a aucun objet pour se laver. Il y a pas de baignoire, il y a pas de. Non, mais c'est vrai. Tu veux qu'on fasse quoi? Mais on a plein d'étangs, on a des petits cours d'eau et tout ça. Ah, ça, je vais le poser aussi. Ça, on n'a pas besoin d'une salle de bain. Ça, c'est juste pour le fun, les viewers. Voilà. Je le mets là. Alors, non, peut-être la logique voudrait que plutôt. Alors, attendez, parce que. Ouais, c'est bon, nickel. Je peux leur piquer. La logique, quand même, c'est que. Vraiment, on note. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est bon, il voulait une seconde. Je retourne. Voilà. Ne le dites pas, mais je cherche où est la maison. Bah, elle est au centre-ville. Ouais, enfin. dans le merdier qu'il y a dû y a les plafonds à agglomérer. Il y a les plafonds aussi qu'on pourrait mettre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le salon? Parce que dans le salon, en fait, je vois. Parce qu'il va pas acheter des terrains supplémentaires. Ah ouais, d'accord. J'ai pas dit que je voulais pas acheter des terrains supplémentaires. Ouais. Ouais, là, ça coûte cher. Ah ouais, parce que du coup, il est tiqué pour ses trucs. Ouais, là. Voilà, bah moi j'ai trouvé ça sympa comme ça. Voilà, après chacun le fait un petit peu comme il veut, mais je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on se permettrait une folie? Et potentiellement acheter... Oula, des folies déjà, pas d'arrivée. Est-ce qu'on peut acheter une hotte aspirante? Oh. Ça coûte un ticket. Une fenêtre? Ouais, mais une hotte aspirante, ça aspire. La fenêtre, elle est ventile, c'est tout. Ah bah. On peut acheter un grippin. Eh, tu sais qu'il y a un frigo américain. En direction de la fenêtre, et puis voilà. Il y a un frigo américain qui te fait de l'œil, sauf que c'est 8 tickets pour l'avoir. On a déjà un frigo. Petite radio, non, tu veux pas. Eh, t'as acheté un meuble télé avec 2 tickets, toi? Ah, c'est mes tickets. Bah attends. Poêle à pétrole, non? Ouais, non, je crois qu'on a fait le tour, en fait, les viewers, malheureusement. Je crois que. Il y a une cheminée qui serait intéressante, mais ça, c'est pareil, ça coûte beaucoup trop cher, donc on va pas le faire. De toute façon, tout coûte super cher, en fait. Hein. Franchement, les tickets, c'est hors de prix.
Ah, déjà, un pauvre cadre d'oiseau, c'est 6 tickets et 6... Un pauvre cadre d'oiseau. Je te jure, non, c'est un cadre. Eh, c'est un cadre qui doit faire, je sais pas, aller 80 cm sur 40. Allez, je suis à la louche. Ouais, c'est 6 tickets et 6 diamants. Alors, qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en penses de ma maison, là? On n'est pas chez le docteur. C'est pas bien? Là, il y a un trou, je sais pas comment le meubler, ce putain de trou, là. Ok. Non. Ici. Si, J'aurais préféré, tu vois, mettre un meuble ici, là, et mettre... Ah, tiens, il y a un truc à faire, là. Ah bah, j'ai cliqué... Attends. Je peux prendre les sous ou pas, Rick, ou non, c'est pas possible? Attends, je finis... Il faut 30 000 hein, pour continuer les muffins, mais pour ça, il faut que tu aies tes 30 000. Si tu les as pas, je ne fais pas. Voilà. Tu vas les avoir, les 30 000, attends deux secondes, je finis de replanter, là. J'ai fait une connerie, c'est qu'il y a deux calendriers. Qu'est-ce que c'est fait? Alors. Ah bah d'accord. Ouais, j'ai fait une connerie. Déjà à court. Il y a un défaut, quand même, dans leur truc. C'est que... Ouais, je vais faire ça ici. Tac, voilà. Il y a un truc, c'est que quand on a les objets qui sont en hauteur qu'on voudrait déplacer, et ben en fait par défaut il prend les objets qui sont au sol. Voilà, c'est là où ça va pas. Je sais pas si je suis clair ou pas, mais. J'aimais bien ça là, donc on va remettre ça là. C'est un peu dans l'entrée, je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'en général les poubelles sont toujours à côté de la porte. Donc, ah, c'est bon, tu vas pouvoir là. Qu'est-ce que tu penses de la chambre, Farah? Elle est jolie. Elle est pas mal la chambre, hein. Bien, ouais. Ça fait un peu étudiant, mais en même temps on est 6 donc. Ça fait bah, on est 6 donc, à moins que tu veux prendre une deuxième pièce pour faire la chambre, mais. Il y avait la salle de sport derrière la cuisine. En fait, le problème c'est que la cuisine, j'aurais bien mis au bout. Pourquoi on peut pas changer ça en fait? On met toute la cuisine. C'est quoi? C'est la salle de bain ici, normalement. Ouais, mais attends, ça est suffisant. Oui, mais le problème c'est que la salle de bain, il y a pas d'armoire, enfin, il y a pas de baignoire, il y a pas de douche, y'a rien. Ah, donc oui. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir une salle de bain si en fait on peut pas le mettre dedans? Moi, j'aurais changé le sol, j'aurais mis la cuisine là-dedans et j'aurais fait la salle à manger à côté. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Ça, on prend la pièce entière pour la cuisine. Par contre, ça paraît beaucoup plus petit que l'extérieur. Hein. Oui, je sais. C'est... On se croirait chez le docteur. C'est un ça, peu ouais. Comme dans Alice au Pays des Merveilles, ouais. Je peux continuer du coup, Rick, hein. C'est bon pour les muffins? 30 000, je peux prendre 30 000. Il a le doute. Je lui laisse le temps de répondre. Il est en train de crasher pour ça. Oui. Ah, d'accord, non, il crache pas. Non mais je peux tout prendre ou pas du coup, c'est bon? Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure, okay. Tu pouvais... Non mais j'ai pas assez de ressources, parce que t'as dû vendre quelque chose, donc du coup on a plus assez de blé ou plus assez de... 43. Alors attends, le blé on a plus rien, donc c'est mort, on a plus de céréales. Les fruits, on en a un, donc c'est pas bon. Farah, t'as pas vendu des fruits et des... T'es pas passé... Non, j'ai rien vendu, là, je suis en train d'arroser, moi. Bah on a un problème, c'est que du coup il y a zéro blé, il nous en faut 15, et il y a zéro fruits, il nous en faut 15. Après, 15 fruits, j'ai envie de te dire que c'est pas le plus dur à avoir, hein. Le blé non plus, blé, d'ailleurs, au passage. Tu pourrais aller voir au silo. Ça a marché, ça? Attends, bon. Je vais voir vite fait. Le silo, déjà, on peut pas le... Non, y a rien. Donc, on ne peut pas. Donc, malheureusement, bah écoutez... alors, les légumes, par contre, non, c'est les fruits qu'il fallait, c'est pas les légumes. Donc, eh ben, on n'avancera pas sur le muffin. Mais ça, ceci dit, vous en foutez, parce que de toute façon, c'est juste une étape. Et ça, on l'a déjà vu la dernière vidéo. Donc, au pire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment la déco. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, mais voilà, si on veut pas dépenser trop, et notamment les tickets, là, bah là, en fait, c'est ce qu'on peut faire de mieux, sachant que bah, dans l'entrée, là, il y a rien, quoi, c'est un peu vide, quoi. Et puis le piano qui est près de la chambre... On en est où, de la fromagerie, là? Alors, là, il y a du lait à ramasser, hein. La fromagerie, je vais aller la voir, t'inquiète pas. Vous direz dans les commentaires, les viewers, et je pense que, hors vidéo, on va déplacer la cuisine dans la pièce du fond, et on va mettre la salle à manger ici. C'est plus logique. Voilà. Je vais donc aller voir la fromagerie maintenant pour faire plaisir au grand Rick. Bon, je sais plus où c'est. Attends, je tourne en rond, mais c'est pas par là. C'est sûr, c'est pas par là. C'est pas par là non plus, parce que je sais ce qu'il y a derrière au bout là-bas. C'est pas ça non plus. C'est pas là non plus. Là-bas non plus, c'est forcément par là. On fait... Oh là là. Ah ouais. Voilà, c'est par là. Oh, mais ça a un étang de pêche ici, en fait. Et là, il y a... Attends, il y a un Kaya. Un kaya, on ramasse les caca de kaya. Ah, là, on vient, on prend un petit hot dog. De kaya rouge. Et ça, on va pêcher. Donc, après, on va pêcher. Ou on pêche avant, il n'y a pas en fait frire. Il y a beaucoup de briques avec de lait quand même. Il y a beaucoup de briques de lait. On fait du poisson frite, ça c'est la spécialité de Gadu. Comment je fais le fromage du coup là? Parce que là, j'ai ramassé tout le lait. Et on a un fromage.
là on peut rien faire. Bah en fait, j'ai un avis, il faut faire de la crème avant de faire du fromage. Bah logique, mais sauf que la crème on la fait comment? Parce que là il y en a 7 sur 25. Avec 25 laits. Ouais, donc on en a pas assez. Faut qu'on agrandisse pour avoir plus de vaches. Ouais, mais non, mais attends. On a pas assez de vaches. Voilà. Non, parce que après, c'est... le problème c'est. Bah, il nous en faut pas mal parce que rien que le matin, il y, y a Farah qui met son maroilles dans le café, je rappelle. Hein. Donc, ça va. Donc rien que ça, déjà tous les matins, ça va consommer ça. Par contre, je suis le seul chien qui aime pas le maroilles, mais c'est pas grave. Et il y en a qui foutent aussi des. Comment de la. Des trucs au barbecue là, comment ça s'appelle, la crème coulante là qui ressemble à du fromage là. La cancoyotte. La cancoyotte, voilà. Ah c'est bon. Donc on en a besoin. Bah, pour ceux qui connaissent, mais moi je connais pas, je vous le dis. Et pourtant je suis très fan de fromage. C'est je t'en ai déjà parlé. Oui je sais. La cancoyotte, tu la prends à l'ail. Oui mais j'en ai jamais vu. Nature ou à l'ail. Voilà. Alors ça me fait saliver parce que rien que de penser à de la petite crème déjà fromagère là, tu vois. Ça... Mais ça a un peu plus de goût. C'est bon nature, mais ça a un peu plus de goût à l'ail. Alors, est-ce que vous avez ramassé autre chose entre temps? Parce que je reverrai juste quand même si on peut. Ah, on peut peut-être les brochettes de légumes, est-ce qu'on peut? Oui! Voilà, les brochettes de légumes qui avancent petit à petit, et par contre, le muffin, on peut toujours pas. Hein. Parce que déjà, on a plus les sous pour commencer, et puis en plus, on n'a pas les ressources. Hein, c'est... On a toujours zéro blé et un fruit, donc bon. Bref, on fera ça en vidéo, les viewers. Et encore une fois, j'attends vos commentaires hein, sur le salon. On a oublié aussi de. Enfin, sur le salon, sur la maison d'ailleurs, au total. On a oublié aussi de parler du nouveau nom du farmer de puits chinois. Oui. Ou du farmer chinois de puits. Peu importe, comme vous voulez. Vous le redites dans les commentaires, les viewers. J'avais totalement oublié cette histoire-là. On essaiera de le faire à la prochaine vidéo, promis. On va lui trouver. Enfin, promis, non. Non, je promets pas. On va essayer de le faire, tout court. Et si je m'en rappelle. Et j'espère que, du coup, on aura beaucoup de réponses. Bref, du coup, nous, on se laisse. Non, Kaya, ah oui, il avait un copain. Kaya, il a que un. Alors, son copain, on l'a surnommé Farah. Ah, d'accord. Voilà. Sachant qu'il y en a un troisième qui va arriver, qu'on va appeler Rick. Je pensais qu'on allait l'appeler Rick. Parce que c'est un cochon tout noir. Ah, bah oui. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir avec Rick, mais je veux dire, c'est juste un cochon tout noir, donc il se différencie des deux autres. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il était tout noir. Du coup, on se laisse et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.